Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au mic et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de faire vos camouflages très facilement et très rapidement. Alors ce petit glitch se passe sur 10 machines de Call of Duty Cold War Zombie et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement monter dans le camion qui se trouve à l'étang comme vous le voyez dans le gameplay. Et à l'avant gauche du camion il y a un petit pilier en béton, il va falloir foncer dessus, juste courir dessus et se stopper vraiment quand vous touchez à peine le pilier en béton. Donc il vous faudra bien sûr plusieurs essais pour comprendre le truc, mais vous allez voir, quand vous aurez compris le truc, c'est assez facile à réaliser. Il suffit juste de courir et s'arrêter au bon moment. Alors faites attention de ne garder qu'un seul, voire deux zombies, parce que s'il y a trop de zombies, eh ben ça ne fonctionnera peut-être pas le glitch. Donc essayez de le faire quand vous avez qu'un ou deux zombies max. Alors quand vous aurez réussi, vous pourrez remarquer que vos pieds marchent dans le vide, comme s'ils étaient en lévitation, et à ce moment-là, ben, en fait, vous serez invincible. Les zombies piloteront tous devant à droite du camion et de là vous allez pouvoir les tuer avec votre arme. Donc vous serez tranquille pour viser la tête, donc il faudra juste aller changer d'arme et revenir dans le glitch à chaque fois si vous voulez changer d'arme et débloquer le camouflage d'une autre arme. Et après il faudra retourner dans le glitch. Mais bon, le glitch est tellement simple que avant de changer d'arme vous laissez un zombie puis vous allez changer d'arme et ensuite vous retournez dans le glitch tout simplement. Alors la seule chose qu'il faut faire très attention, parce que moi je pensais que je pouvais faire des manches en illimité dans ce glitch et que j'étais invincible, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mon Chronus Max et j'ai laissé tourner. Cependant, j'avais pas remarqué, le mégaton va se placer à votre gauche, donc il ne se placera pas au même endroit que les zombies. Donc de là, bah, il m'a tiré dessus plusieurs fois, il a galéré pour me tuer, mais il a quand même réussi à me tuer à un moment donné. Donc voilà, en soi vous êtes invincible, mais contre le mégaton, faut faire attention, il faut le tuer avant qu'il vous tue. Après, ce glitch ne vous permet pas genre de brancher le Chronus Max et puis de partir et faire ce que vous voulez. Là, il faudra vraiment rester devant l'écran pour justement anticiper le mégaton et le tuer le plus rapidement possible. De toute façon, si vous faites ce glitch pour vos camouflages, logiquement, bah, vous serez devant votre écran pour changer d'arme. Donc voilà, c'est un petit glitch assez sympathique si vous voulez débloquer tous les camouflages de vos armes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao. Peace.